Salut tout le monde, Lucien, qu'est-ce que tu lis? Moi, c'est Barthélémy et Lucie. Ayoub. Ayoub, qu'est-ce que tu lis? Hunger Games, l'embrasement de Suzanne Collins. Peux-tu nous expliquer ce que raconte ce livre? Ce livre raconte l'histoire des Hunger Games, des jeunes sélectionnés au hasard d'un jeu à Hunger Games. Le but est de survivre le plus longtemps sur une île remplie de pièges sadiques où tout le monde doit s'entretuer pendant que les gens y regardent sur leur télé. Le gagnant remporte de l'argent et la gloire sur son district, région. Sauf que la dernière gagnante, Katniss, va laisser en vie Peeta et ne pas écouter les règles. Cet acte provoquera des rébellions, donc le Capitole, le gouvernement veut éliminer Katniss et Peeta. Qu'y a-t-il de particulier dans ce livre? Ce qui est particulier dans ce livre, c'est que les gens regardent les autres mourir pour le plaisir. En plus, ils font des placements de produits comme s'ils regardaient une émission normale. Ce livre se divise en trois grandes parties. La première partie est la tournée de la victoire après la victoire de Katniss. La deuxième partie est l'annonce des jeux de l'expiation. Troisième partie, les jeux de l'expiation, plus le bonus 4, le début des soulèvements et des attaques contre le district 12. As-tu aimé cette histoire et pourquoi? J'ai aimé le livre car il a montré la cruauté du gouvernement pour maintenir leur image et que les districts font des rébellions pour les sauver. Est-ce que tu peux nous lire un passage? Oui, mes pires craintes se confirment quand je découvre que celui qui m'accueille dans Lovecraft, robot volant qui ramasse les corps, n'est autre que Blücher Havensbin, le haut juge. Quel fiasco! Il s'est pourtant donné du mal pour que les jeux soient splendides avec cet incroyable plateau en horloge, son parterre de vainqueurs. On lui reprochera son échec, il paiera probablement par sa vie, mais il se sera chargé de me punir. Sa main descend vers moi, je crois d'abord qu'il a l'intention de me frapper. C'est pire, avec le pouce et l'index, il me ferme les paupières, me condamne à l'obscurité. Mon cœur bat si fort que le sang ruisselle dans mon bandage. Mes idées s'embrouillent. Pourquoi as-tu choisi ce passage? J'ai choisi ce passage car Katniss croit que le haut juge veut la tuer, mais il avait organisé le soulèvement de tous les districts pour arrêter les Hunger Games, alors qu'il fait partie des organisateurs. Ce moment montre que certaines personnes du Capitole veulent arrêter les Hunger Games. Est-ce que tu recommanderais ce livre? Oui, je recommanderais ce livre car il est intéressant, mais il est préférable de commencer par le premier livre pour savoir de quoi parlent les personnages quand ils font référence aux anciens Hunger Games. Merci Ayoub, c'était Qu'est-ce que tu lis et à une prochaine.